soucie ma tête. Parce que quand vous lisez les résultats, ça veut dire que lui, le moment, moi, c'est pas grave. J'ai eu l'occasion de vous expliquer l'important de lire. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est tellement important que pendant le parcours de Jésus sur la terre, les disciples utilisaient ça pour chasser les démons. Au temps de Jésus, Amen. Il y a des choses qui s'arrêtent rapidement. Lui, et précisément lui de l'île. Parce que le lit est dans toute saison. L'huile d'olive, ça se vend dans les supermarchés. C'est quand on prie, ça devient une consacrée. Que Dieu t'appelle une sainte. Ça dépend de celui qui prie, c'est ça. Et puis, il y a un peu de son ancien qui demeure sur lui. On est de même de vous. Sinon, on étudie ça. Moi, j'utilise l'huile même pour manger à la maison, ça lui donne. L'huile que vous voyez, j'ai recommandé ça à une personne une fois ici. Son fils était drogué. Voilà, bébé, voilà. C'est comme ça. Levez-vous avec l'enfant. Vous devez contrôler tout ça, vous le savez. Si ta femme fait le repas, parce que la femme était très violente à la maison. J'ai prié sur lui. J'ai dit pas. Qu'elle soit arrivée à la maison. Ils ont mis ça à manger. Quand l'enfant a mangé, il allait dormir. Quand il s'est levé, son comportement a changé. Il est venu se mettre en genoux devant son papa. Il ne sait pas pourquoi, mais il demande pardon, mais il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en sa vie. Son père ou mon père m'a appelé. Le surlendemain, c'est fini. Quand on a pas la vie, c'est comme ça qu'elle était délivrée. La délivrance a commencé. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il y a beaucoup de celui dedans. C'est une cérémonie importante. C'est la consécration. L'aspect sacré dedans, consacré. Dieu dit ne touchez pas à mes points. Si le sorcier te touche, il sait qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a été fait sur ta vie pour effrayer le sorcier? Jésus dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu de lui. Donc, près de lui, c'est la violence. Voilà. Tu as pris en Jésus. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a été fait sur ta vie pour éloigner la sorcellerie? Nous allons voir ça tout à l'heure dans le son qu'il a fait. Nous allons voir tout à l'heure. Il y a des choses qu'on vous enseigne pas. On vous parle du ciel. On vous enseigne pas les mystères. Il y a des choses que vous devez connaître. Amen. Alléluia. Est-ce que le baptême sauve? Non. Moi je réponds déjà non. Amen. Mais le baptême est important pour les chrétiens. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu. Devant les hommes. Vous dites que des hommes viennent faire partie du royaume. Oui, ils ont des dieux. Oui, si tu viens baptiser, tu dis Jésus-Christ, tu vas en faire. Et vous, mais c'est important pour les chrétiens. Qui dit que Alléluia? Amen. C'est comme le mariage. Tu aimes une femme. Elle a la maison avec les enfants. Quand tu ne l'as pas envoyé à la mairie, tu ne la reconnais pas comme ta femme. Mais pas. C'est ma femme. Si tu es mort, c'est fini, c'est pas un peu de l'héritage. Sans problème. Tu l'as aimé, bien sûr. Il faut l'amener à la mairie. Sécuriser le mariage. C'est ça la consécration. Tu as accepté Jésus. Mais qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser la mairie? Il n'y a pas de consécration. Est-ce que ma fille s'est dit? C'est ce qu'il a fait. Moi, il y a des choses que j'ai fait sur ma vie. Oui, j'ai mis la main. Aucun sorcier ne pourra me prendre.
C'est lui qui est tout à l'heure sur vous. Ah, non, je, peux dire. Je vous assure. Et ça m'a dit. Il n'a qu'à être sorcier indien. Oh, okay. Il n'a qu'à être sous la terre. Oh, okay. Si bien sûr, mais vous êtes dans Jésus, il a fait condition. Mais même pour nous, personne ne pourra vous manger. Amen. Où j'ai dit, mais ça te bénit. Il y a une personne qui vit dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui vit dans l'ombre. Comment on vous nomme? Je disais son nom. Vous n'êtes pas qu'on puisse le reconnaître, tout ça. Il avait des problèmes de sorcellerie. Il s'en fait dans sa maison une présence. Son père est encore vivant. Il sent des présents dans sa maison. Une fois il avait cette présence, il a senti comme quelqu'un venu le toucher. Et quand il s'est réveillé, il avait l'image de son père. Traverser sa chambre. Il avait le travail dans la main de travail. Il a fait 2 mois, il a prié. Il a eu travail. Travaille 6 mois encore. La même chose se reproduit. Il vient de touche. Il voit l'image de son père. Il a commencé à chercher qui, quel homme de Dieu, quelle société. Il m'a trouvé. Quand il m'a appelé, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais à Abidjan qui peut t'envoyer l'huile? Et il connaît Pita. Il a dit non. Il dit non. Alors, oh. Il dit ok. Mm-hmm. On fait DHL. La main, là. Il amène la courrier. J'ai consacré 7 bouteilles. Je l'ai dit ici les 1h du matin. Verse ta tête. Et puis il dit, j'ai ramené ça dans mon cœur. Verse. Il a fait ça 7 jours. Quand tu finis, tu casses ta bouteille. Quand tu... Le 10e jour, pourquoi il est on l'a appelé. Voilà. On dit son papa est devant la prière. Son fils n'a pas répondu. Avant de mourir, il a demandé, il demandait pardon à mon fils. Seulement qu'il a mère. Seulement que je suis son sorcier. Pardon. Vraiment, c'est qu'il a fait. Amen. J'ai senti qu'il n'y a pas poussé. Il n'a pas poussé. Aucun n'a pu te confesser. Il n'a pas poussé. Quelques temps après, il travaille. Amen. Il y a des gens, tant qu'ils seront encore vivants dans ta vie, tu ne vas jamais percer. Moi, je connais l'importance de l'huile. Il dit, l'huile, c'est trop terrible. Oui, oui, il y a une jeune fille au Canada. Oui, non, oui. Elle dit dans le rêve. Oui, là, oui. Qu'elle avait un copain, un monsieur, qui est sérieux. Oui, non, oui, quand il y a un problème de mariage, non, oui, non. Quelqu'un veut faire l'amour. Oui, non, oui, non, non, non. Avec elle. Et quand elle voit ça, oui, c'est fini. Quand il met caca devant le monsieur. Le monsieur n'a pas de monde. Oui, non. Et plusieurs fois, oui, t'es sérieux comme ça. Oui, non, oui. J'ai demandé, elle aussi avait quelqu'un qui était à Abidjan, qui partait. J'avais cette bouteille. Vous, vous jouez sorcier. Sorcier, il est bizarre. Lui-même, il est bizarre. On voit le bizarre. Il a un avion lui-même. On voit un avion. Quel a percé les 7 jours sur sa tête? Il a gardé Dieu sur lui. C'est sa tante. On a un avion. Son 16 a commencé à décomposer. Excusez-moi. Elle va commencer à parler. Elle va devenir pleurerie. Comme quelqu'un qui a bourreau. Elle pleure. Elle dit. Elle dit. Plein de sang. Elle va devenir. Aïe. On demande. Elle est libre à la femme. Elle va dire non. Elle est ici. Elle fait l'amour. Elle va devenir. À sa nièce. Elle a pris lui qui est là. Dis-lui que nous ne jouons pas ça. Allez, dis amen. 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 C'est ça que moi, chaque mois, parce que la transition, un mois, un autre mois, vous devez régler des choses. Le mois d'août doit être pour moi un mois de bénédiction. Mais qu'est-ce qui est fait pour tirer la bénédiction sur ma vie? Alors il met quelque chose sur moi. Et vous me reconnaissez que quelque chose a été fait. Donc tout ce qui est bénédiction de route, ça vient chez vous. Nous les prophètes, nous on enseigne ça. Les pasteurs, il ne faut pas
toucher la femme de mon ami, parlez comme ça, ça ne nous intéresse pas. Comment va arranger pour être béni, c'est ça qui nous intéresse. Amen. Lui, ça lui est consacré. C'est très dangereux. C'est une bénédiction pour toi. Et pendant que tu verses ça sur toi, ça nettoie ton âme. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Il salit ton âme. Amen. Amen. La prison, c'est même un sorcier. Le fait que tu visites ta maison chaque jour, c'est fini. Amen. Amen. Et bien. Et ça, vous devez renouveler ça tout le monde. Comme lui, le moteur, c'est sali. Et quand on lisait dans le psaume, il dit, tu m'arroses une nuit fraîche. C'est pour ça que les gens, vous voyez, avant de sortir de leur maison, on peut mettre une nuit sur leur bouche, leur tête, leur bouche. Ceux qui possèdent le monde, c'est les Juifs. Vous êtes aux États-Unis, c'est les Juifs. En France, c'est les Juifs. Ceux qui font l'argent, c'est les Juifs. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier avec eux. Les secrets qu'on appelle les mystères. Moi j'ai un rabbin juif qui m'enseigne des choses. La Bible vous voyez là, c'est écrit en hébreu. C'est écrit en français. Et quand vous l'avez, le hébreu veut dire connexion. Hébreu, au fur et à mesure, je vais vous dire les noms de Dieu en hébreu. Il y a trop de choses qu'on a besoin de connaître. Je vous ai dit que les miracles, il y a les miracles que Jésus a fait. Jésus, après sa résurrection, il avait 40 jours avec les disciples. Mais ça n'a pas été transmis dans la Bible. C'est qui se prend ça dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Après vous. On dit, mais ça, vous pouvez écrire la salette. La Bible, elle est là, ça n'est pas continué toute la vie. Donc il y a des choses qu'on a fait. Après vous, on va aller dire. Voilà toute la Bible, vous pouvez. Donc vous n'avez pas envie de la Bible. Écoutez ça ici, que Jésus, les Juifs qui parlent de Jésus. Parce que la lettre J n'existe pas en hébreu. La lettre J n'existe pas en hébreu. La lettre J n'existe pas en hébreu. La lettre Y. J n'existe pas. J n'existe pas. Mais comme c'est le nom, notre image, c'est Jésus. Je te dis à là. Tu dois dire Yeshua. Yeshua, alors. Oui, Yeshua. Ils ne disent pas Jésus. Parce que la lettre J n'existe pas en hébreu. C'est Yeshua. Yeshua. El Mashiach. Elle m'a dit, il n'est pas Yeshua. Quand tu te lèves le psaume 23, tu dis l'éternel. Ça veut dire que celui qui vit éternellement. Mais quand tu te lèves en l'éternel, tu dis Hachem. Ça veut dire celui qui doit être revenu maintenant. Après, il dit Hachem est mon père. Hachem, on est là, il va venir. Quand je dis ça, c'est son nom, il veut que tu viennes. Parce que chacun d'entre nous a été petit, non, mais il était petit. Voilà, tu passes à sa rapport. Quand tu passes, tu dis, quelqu'un me connaît quelque part. C'est pas tout le monde qui dit ça. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner. C'est pour ça qu'ici c'est une école. Amen. Moi j'enseigne le mystère. Je vous enseigne ici la puissance de la libération. Pourquoi nos parents connaissaient la libération? Mais à nous-mêmes, nous avons très tôt le matin. Pourquoi vous enseignez ici? Dans le psaume, les gens. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner. Oui, on va dire qu'il y a un pouvoir qui existe dans le christianisme. Et la Bible s'appelle Yahweh. T'as les mots armés à une hébreu. Oui, un hébreu. Hébreu. Quand tu commences à prononcer, tu as l'impression que toute ta maison bouge. Et écoutez, il a tu les créateurs. Quand tu commences à connaître les mystères, tu deviens donc dangereux. Ah, et comme il Dieu ne fait pas de toi un chrétien, fait de toi un esprit. Dieu ne fait pas de nous chrétien, fait de nous esprit. Mais celui de l'esprit. Il faut que les gens aient peur de toi. Il n'y a pas son nom. Tu dis pas Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Alors, on va trouver secrétaire, comptable. Je suis en train d'ouvrir complexe à Gagnoua. On va trouver secrétaire. T'as ça là? Merci. Amen. Amen. Elle, on est ensemble sur le Facebook. D'autres filles me draguent. Oui, on va t'y mettre. Oui, 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 oui. D'autres filles qui rêvent en photo, la tête jolie. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut débrouiller?
Et puis il y a un papa, pardon, aie pitié de moi. Et va le ciel, pardon. Aie pitié, mets-moi à genoux. Parce que quand tu dis à la femme, non, elle va t'attaquer. Et puis il y a ta nette, ma nette, la nuit de presse. Parce que tu te mets en danger pour nous. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. Lui, là, c'est dangereux. Dieu, oui, Dieu. Il faut que les gens aient peur de toi. Et encore trop. Dans le sens positif, là, tu manges. Et dès qu'on attaque, ils ont problème. La société t'attaque aussi. Le yuk m'attaque, tu as déjà bon, je vais vous faire montrer ici comment on construit la maison. On ne va pas construire une maison comme ça. Voilà, vous avez dit. Vous avez dit. Le jour où tu construis une maison, tu as vu qu'ils ont chié là-bas. C'est fini. Tu as pris ce travail. Oui. Le jour où tu commences à construire une maison, les gens vont chier. Ils vont le chanter. Oui, c'est fini. Le jour où tu vas commencer, c'est fini. Ton activité, tu ne peux pas. Ils ont bouclé. Ils ont bouclé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ton étonné. On va dormir. Il y en a. On construit une maison, on ne fait pas. Il va faire la même. Mais Marie, qu'est-ce qu'on fait? Et comme vous dites. Oui, hein, oui. Tous les
Et nous le prenons. Les jeunes conservent tout. Ils dédient tout à Dieu. Moi, je veux la toi, tu t'en fous, tu vas. Moi, je veux bien la vie. Dieu est le commencement et la. Si tu le prends, c'est la fin. Amen. Oui, mon bon, oui. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est tout. Mais bon. Nos parents savent ça. Allez-vous. Ça. Oui. Chose qui règle. À partir de 5h, 6h du matin. Donc, il y a ce qu'on appelle les dogmes. Non, ici c'est comme ça. Hein. C'est garage de l'homme. C'est garage. C'est pas à couper. C'est là, Dieu va la guérir si vous avez moi. La même moi, il y a mon pied. Allez. Amen. Amen. Donc c'est des choses que je devais avoir comme connaissance. Il a voulu aller là, aller. J'étais à la télé, je parlais. Et voilà. Et puis la journaliste dit, mais tu vois en rouge. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, mais en quoi mon rouge là, ça te dérange? Non, il y a non. Tu as suivi ça? Maria même il a dit, en quoi ça te dérange? Quand le diable et le frère, qui copie sur son camarade? Tu as la télé rouge? Non. Prenez le son 63. Il a dit, rien dit dans le son 63. Prenez le son 63. Esaïe 63. Plutôt Esaïe 63. Esaïe prétend. En quoi rouge les frères? Rouge c'est la vie, mais. Le diable s'assoit, ça y prend ça. Je suis le dedans, mais rien créé. La couleur noire, c'est symbole d'autorité. Non, dans la mort déjà. Les juges, la mort, les mois, tous sont pour juger. C'est symbole d'autorité. Le jour, c'est la joie. Le jour, non. C'est pour ça qu'ils sont en réanimation. Quand on est en réanimation, tous ceux qui sont en réal, ils ne peuvent plus jaune. On a pas mieux un coup. Je le fais, c'est la renaissance. D'autres m'ont dit que quand les éléments portent le verre, ils perdent. Il est pas encore.